Et re tout le monde. Donc, on se retrouve pour le huitième, je crois, huitième épisode, oui, de notre let's play sur Evoland. Tu dois aller là, vaincre Zephyra, tu trouveras l'arbre demain. Et pas, tu as besoin de au milieu ton arbre, ton voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode dernier? Donc, il y a eu Zoga qui est morte. Tiens à préciser morte. D'accord. Donc ouais, elle est morte. On a eu un pouvoir de dragon bizarre. Il y a eu le Kamehameha. Il y a eu des trucs totalement what the fuck. Mais c'était bien marrant. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un temps avant. Ouais, il y a un temps avant. Avant de pouvoir réutiliser le Babamute. C'est totalement what the fuck le Kamehameha, franchement. Je me demande si notre. Si c'est nous qui aurions pu mourir. L'arbre de Mojo. De mana, pardon. C'est le swag. Oh yeah. C'est la tectonique. Il n'y a rien par ici. On va aller voir là-bas. Si j'ai pas loupé quelque chose d'important. Ça a pas l'air. Là, on retourne au début, non. Non, bah, je crois que c'est bientôt la fin. Malheureusement, de ce let's play qui est totalement énorme. Il est extrêmement bien, je vous le conseille. Je sais plus à combien il est sur Steam. Bon, bref, de toute façon, bah, vous cherchez vite fait sur Steam. Il doit, je crois qu'il a 10 euros, un truc comme ça. Bref, allons-y. C'est l'arbre de. Non, d'accord. Il voulait pas. Je crois qu'il faut se poser. YOLO. Ah, je me disais encore un combat. On arrivera. Zephyros! Arrête de te cacher! Montre-toi! Je t'attendais. Arène Pokémon. What? Tu es enfin venu. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a longtemps, mon peuple habitait cette terre, mais il est attaqué et chassé par ses cornes. Je suis le seul survivant, et je vais me venger. Tu vas partager le sort de ton ami. L'arbre de mana sera ta tombe. D'accord. Ah! Ouais. What? Qu'est-ce qui se passe? Il a bugué? Ah! Et comment tu veux le tuer? Comment tu veux que je le tue? Est-ce qu'on peut pas changer? Je comprends rien là. Ouais, d'accord. Je crois qu'on aurait dû prendre l'arc. D'accord. Bon, pourquoi pas continuer, excusez-moi. On va prendre l'arc cette fois-ci. On peut pas, magnifique. Bon, bah écoutez, on va faire une petite ellipse pour que je voie comment on va faire. Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve. Je crois que j'ai compris. J'ai compris à peu près en testant des choses. J'ai à peu près compris.
Ouais, bah ça, on connaît le dialogue, merci. Waouh. Hop là, donc, falloir attendre. Voilà. J'ai compris. En fait, c'est chaud parce que je sais pas comment il faut viser. Voilà, je crois que je suis à peu près au milieu. Ça devrait le faire. En fait, il faut s'en rapprocher au maximum. Je sais pas combien de coups il faut lui mettre, mais je crois qu'il commence à. Ah, il a fait un bruit bizarre là. D'accord. Ah, il a plus de. D'accord. Donc là, je vais déjà abîmer cet œil. D'accord, il a plus de bras. Out, 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 out. Ah, ok, je viens de comprendre. Faut le suivre de près en fait. Ah, c'est chaud en fait là. Ah, je vais trop loin à chaque fois. En fait, je crois qu'il faut détruire le cœur derrière là. Oh, punaise, ça fait peur. Wow, 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 wow. Faut faire gaffe là, hein. Ok, j'ai trouvé une technique. Sérieux? Ah mais non. Ah mais j'avais trouvé une technique, fais chier.
Allez, c'est pas grave. Bon, est-ce que cette fois-ci on va réussir à le tuer? Telle est la question. En fait, c'est tout facile, hein. Enfin, c'est facile, pas tout facile, c'est pas français, tout facile. En fait, c'est tout simple, pardon. Voilà. Et viens par ici, mon petit. En fait, c'est tout bête, j'aurais dû comprendre dès le début. En fait, il est pas bien dur, hein. Par contre, des fois, on dirait bien qu'il m'a, mais à chaque fois. Ok, donc déjà je lui ai fait là. Là il doit, voilà, il doit plus rester beaucoup. Parfait. Ok, donc dans ce sens. Dans ce sens. Dans l'autre sens. Hop, quel abruti. D'accord. Super génial. Ah, sérieux? Ah, mais touche-le! Ah. Mais ça m'énerve ça. Mais chaque fois. Oh. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, recule, 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 recule! Recule! Ah, le revoilà. Visio ouvert maintenant. Tu as détruit mon armure de pierre. Mais sous cette forme, tu ne peux plus m'atteindre. Je vais te détruire. Ok. En fait. D'accord. Ouais, c'est tout facile quoi. En fait, c'est tout con comme truc. T'as bien dur. Hein. Ah. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un. Ah. Ça.
J'ai vu tant de choses incroyables durant tous ces siècles. Oh, putain, je tremble. Enfin, à droite, je suis en train de bugger ou je tremble, je ne sais pas. Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme des larmes sous la pluie. Oh, il est philosophe, lui. Il est temps pour moi de rejoindre mon peuple. Bah, vas-y, meurs si tu veux. Il fait. Encore. Échappe-toi, Dark! Ah non, mais c'est bon, j'ai tué. Bon. Héros, vous avez vaincu Zephyros. Oui, le mec, il est en train de trembler. D'accord. Pourquoi pas? Alors, que va-t-il nous arriver pour cette fin? Ah, c'est énorme. Bon, eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas ça me fait énormément plaisir de tourner ce let's play. Let's play que je précise est totalement magnifique, niveau déjà gameplay et niveau graphisme, surtout de passer au noir et blanc assez indé, tout simplement, au 3D couleur, vrai RPG, c'est vraiment énorme. Donc, bah, je vais vous laisser avec le générique. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!